Bonjour à tous et bienvenue pour l'ouverture de la case numéro 3 du calendrier de l'Avent, Lego City. Alors, donc j'ai trouvé une petite solution pour garder ma chaîne en place parce que j'avais dit oui, miniature machin, mais je dirais ça ferait un peu con-con. Enfin, je sais pas si, voilà, vous avez compris. Donc, j'ai décidé de faire, donc, je vous le dis comme ça en premier hein, parce que j'aimerais bien que tous mes abonnés sachent. Que je vais faire que, ou peut-être pas que, hein, mais beaucoup, 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 beaucoup de vidéos Lego. Pourquoi? Bah, je vous le dis comme ça vous serez habitué. Parce que si vous voyez que je fais que du Lego, après vous allez dire, oh, il se met à faire des trucs, machin, voilà. Non, 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 c'est juste que c'est ma seule solution. Parce que les Lego, je peux faire des miniatures, genre, je prends juste en photo l'objet que je présente ou un truc comme ça, et la miniature est faite, voilà. Alors qu'Angry Shark Evolution, bah ça fait un peu con. Alors voilà. Surtout que Angry Shark Evolution, normalement les miniatures c'est le petit machin. Donc si je change directement de miniature, ça va faire con. Donc, voilà ma petite solution. Je vais faire beaucoup de vidéos Lego. Vous inquiétez pas, hein, de toute façon à Noël j'aurai un bac entier de Lego. Genre le bac il fait plus que le calendrier. Donc pour vous dire, il y aura de la place. Oui, je pourrais faire beaucoup de constructions. Je ferai des tutos machin. Pour moi, ça va être bien. De toute façon, qui aime pas les Lego hein, celui qui aime pas les Lego, c'est un ovni, quoi. Tout le monde aime les Lego. Donc, c'est bien. Voilà, je vais faire des vidéos Lego pour compenser la perte de miniatures avec Scream et enregistrement. Donc, voilà, comme ça, la chaîne ne va pas mourir. On attend souffrance. Donc, voilà. Donc, voilà, je vais ouvrir la case numéro 3. Donc, la case numéro 3 se trouve juste là. Je vais vous montrer. Ici, tout en haut à droite, voilà. Alors, je vais essayer de deviner ce que c'est. Je pense que ça sera le marchand ou un truc comme ça. Et donc, c'est parti pour l'ouverture de la case numéro 3. Alors, qu'est-ce que ça va? Oh non, j'ai déchiré. Non, bon, c'est pas grave. Je sais pas ce que c'est. Alors je vais vous montrer ce que c'est d'abord. Donc voilà. Voici ce que c'est. Je sais pas. On dirait un truc de marchand. Comme je l'ai dit. Avec des roues machin. On va voir ce que c'est. Je vais regarder le modèle. Bon, je replace le bonhomme. Hein, parce qu'il était tombé. Ah non, le 8 de 2018 est tombé. Bon. Ok, c'est quoi ça? Je sais pas. Ouais, c'est un véhicule. C'est un véhicule. Alors, est-ce qu'on peut... Voilà, regardez ça. Oh! En fait, 2018, il est en train de tomber. Après, c'est bientôt la fin de 2018. Hein. Dans un mois, c'est la fin. Non, même pas dans un ou deux mois. Regardez, c'est ça. C'est ça comme véhicule, c'est ça. Donc, ouais, c'est un véhicule. Donc, je vais essayer de le construire avec vous. Je sais pas, parce que ouais, je vais faire beaucoup de vidéos Lego parce que sinon la chaîne va mourir tout simplement. Vous voyez comment c'était simple à ouvrir, donc ça sert à rien de prendre des Lego, enfin des ciseaux, pardon. Ok, voici toutes les pièces. Donc c'est parti, je vais essayer de construire avec vous. Je vais construire avec vous. Ici, je vois que c'est trop long, bah je couperai. Hein. Ah oui, mais il me faut le modèle. Voilà pour le modèle. Alors, je vais construire ici. Ouais, je vais construire ici. Alors, petite construction. Alors, je sais que vous voyez. Je veux que vous voyez, moi, la construction. Il faudrait placer un autre truc pour tenir. Comme ma deuxième gourde. Ah ben voilà, regardez. On va faire comme ça maintenant. Vous allez me voir construire du coup. Donc vous voyez, la première case c'était pas très très bonne qualité vu que je savais pas construire. Enfin, pas construire. Non, 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 ça n'a aucun rapport. C'est juste que j'avais jamais fait d'ouverture de case. Hein. Donc c'était pas très très bonne qualité. Mais maintenant que je sais gérer ça, les ouvertures de case, et que j'en ai fait plusieurs, bah là maintenant, ça va nickel.
Tac. On place ça. Tac. Alors j'espère que j'aurai le temps. Parce que c'est quand même un truc assez. Bon, ça va, il reste encore 3-4 pièces à placer. Ça se passe où? Ça se place ici. Voilà. Ça c'est le volant. What? Ok, je sais pas. Non, c'est pas prévu qu'il soit là. Ah non, attendez, les gars, c'est pas comme ça. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. C'est comme ça qu'il faut mettre. Désolé si vous voyez pas, mais je suis obligé d'être. Ah, vous voyez que dalle, désolé. Désolé, les gars, si vous voyez rien. Bon, je suis un peu obligé. Oh là là, ça a bougé. C'est quoi ça? Ok. Ils sont dans quel sens? Ouais, on aura largement le temps de la construire aussi, le truc. Alors, j'ouvre cette case le matin avant de partir à l'école. Voilà, des fois, les cases, des fois, bon, ça sera rare, hein, je pense. Mais des fois, les cases, je les aurai déjà ouvertes et la construction sera déjà construite. Parce que soit j'étais en retard et du coup, je l'ai ouvert comme ça, hein, et je l'ai construit. Donc soit ou soit j'ai fait ça pour être tranquille, voilà, parce que des fois, enfin ça m'étonnerait carrément, j'ai plus envie de faire ça, hein. Ça m'étonnerait, bon, au cas où, hein, je vous le dis. Alors on dirait désolé, c'est ma gorge, j'ai pété, hein. Alors on dirait qu'il n'y a pas de pièce de rechange, c'est à dire que si on perd une pièce, ben, on la perd définitivement. Ouais, parce qu'il faut mettre 4 roues. Là j'en ai mis une, il en reste 3. Donc il n'y a pas de pièces de rechange. C'est le premier jouet qui n'a pas de pièces de rechange. Donc j'aurai pas de roue, bon c'est pas grave. Hein. Tac. Et voilà, j'avais le temps. J'avais le temps de la construire. Et voilà, c'est pour la table numéro 3. Regardez. C'est un petit, je sais pas. C'est pas un jouet, hein, parce que vu la grandeur et la perfection du truc, c'est pas un jouet. C'est un vrai véhicule. Je sais pas où le placer, hein. Surtout qu'il y a plusieurs véhicules, si vous voyez. Bon, il y a plusieurs véhicules, je sais pas où le placer. Il y a peu de dehors, bon. Parce qu'en fait, dans le calendrier de... Ah ouais, le volant, il bouge et tout. C'est trop bien. Niu, niu. Parce que dans le calendrier de 2017, il y avait plus. En fait, dans le calendrier de 2017, il y avait plus de dehors que d'intérieur. Et dans le calendrier de 2018, il y a plus d'intérieur que de dehors. Mais dehors, il y en a vraiment très peu. Hein. C'est juste un mini carré. D'ailleurs, le garçon, il est encore tombé. Oh, ça saoule. Mon garçon tombe tout le temps. Quand il y aura le marchand, je vais. En fait, des fois, je vais bouger d'emplacement des jouets ou des objets. Parce que des fois, l'objet, il est en rapport avec. Par exemple, le garçon avec la pièce, il est en rapport avec le marchand. Et quand le marchand, je l'aurai, eh ben, je vais changer de place pour qu'il soit devant le marchand et qu'il paye. Voilà. Donc, on va placer le petit véhicule dans le paysage. C'est parti. Donc, maintenant, je vais faire comme ça pour construire. Hein. Enfin, si c'est pas trop long. Alors, on va le placer. Ouf. Je sais pas où le placer parce qu'il y a tellement pas de place. Mais c'est pas un jouet, ça. C'est pas un jouet, regardez. Parce que les jouets, ils mettent pas trop précis. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un volant et tout. Allez, on va le mettre. Je sais pas où le mettre. Parce que ici, il y aura le marchand. Il y aura le marchand ici. Donc, je sais pas où le mettre, le véhicule. Ah non, c'est un jouet, les gars. C'est un jouet. J'ai dit des conneries. Ah, c'est un jouet, putain. Ouais, parce que regardez ce qu'il y a ici. Donc, je vais le placer ici. Voilà. Putain, je me suis embrouillé pour que dalle, quoi. Mais ouais, parce que. Bon, je vais pas vous montrer. Hein, mais dans le calendrier de l'année dernière, à chaque fois qu'il y avait un vrai véhicule, c'était plus détaillé que les faux, quoi. Et du coup, là, c'était détaillé, donc j'ai cru que c'était un vrai. Voilà.
Désolé, je suis sûr, il y en a, ils sont énervés devant leur écran, mais non, c'est bon, je sais que maintenant que c'est un jeu. Donc voilà, et là, normalement, il y a un deuxième véhicule. Le deuxième véhicule, c'est lui. Donc je sais pas quand on l'aura. Et ça, c'est une piste de course. Donc, au premier. C'est cool. Donc voilà, je sais pas, vous avez aimé l'ouverture de la case numéro 3 du calendrier de l'Avent Lego City. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, partagez la vidéo et je vous dis à très tôt. Ciao! Na 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 na